Hey, salut, bonjour à toi, ici Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur. Et je suis dans cette vidéo avec ma chérie Inde Laudati. Hop, que tu vois juste là. Et tu sais très bien, très cher ami, si tu es sur sa chaîne, sur cette chaîne, tu sais sûrement que moi j'ai commencé à un moment dans ma vie où j'étais dans la rue, j'étais sans abri dans la ville de Lyon. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te présenter une expérience de dingue que nous sommes en train de vivre avec Inde, parce que nous sommes en croisière. Ouais! Ok, c'est juste pour dire que quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, elle peut être belle, elle peut être magnifique. Et ce qu'on aimerait, c'est faire quoi? C'est aujourd'hui te présenter tout simplement le bateau. Et vous faire un tour, une visite du bateau en entier. Ouais, tout à fait. Et juste pour savoir, c'est le MSC... Croisière Fantasia. Tout simplement, on aimerait déjà commencer avec cette chambre parce que c'est vraiment un truc de dingue. Quand nous sommes arrivés là, Indou, on a trouvé que la chambre, elle était... Magnifique. Elle était magnifique. Donc, d'abord, on commence par la chambre. Attention, oh, c'est parti. Bien, on était bien dans la chambre, mais on va faire comme si on la découvre ensemble. Franchement, regarde. Regarde comment elle est belle. C'est tout simplement... c'est tout simplement fantastique. La chambre, elle est vraiment... les décos, on adore. C'est super. Il y a la petite télé là. Il y a le bureau. Juste là à côté, là, c'est un frigo. Et en plus, là, on se retourne. Vous voyez, il y a des armoires. Franchement, c'est super. Vous allez voir qu'il y a déjà des habits. Hop. Franchement, c'est super. Et là, on se dirige vers le 5e étage pour aller voir le cœur du bateau. Et on voulait aussi vous montrer le grand hall avec de magnifiques miroirs. C'est vraiment des grands espaces et on adore ça avec Didier. Et là, nous sommes au cœur du bateau. Et franchement, c'est magnifique. Je vous laisse découvrir. Et maintenant, je vais vous montrer l'endroit préféré de Didier. Est-ce que certains d'entre vous ont deviné? Mon précieux. Voilà, la bibliothèque. J'adore! Et en plus, c'est calme. Il n'y a personne qui vient presque jamais ici. Donc, pour travailler, franchement, c'est idéal. Et c'est tellement bien fait parce que c'est confortable, vous voyez. Hop! Et là, on peut travailler un peu. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et là, nous allons au 7e étage, parce qu'en fait, ici, il y en a 18. On va au 7e étage et suivons la guide. Attention, c'est parti.
Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits pour se divertir. Et là, nous allons entrer dans la salle de jeu où j'ai donné à In une bonne fessée. Faut pas croire ce qu'il dit, c'est pas bon. Attention, c'est parti. Allez, suivez-moi. On a le premier jeu des motos. Alors, c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ici, c'est le jeu des voitures. Et c'est vrai, là, Didier m'a conduit une sacrée raclée. Je vais vous montrer le jeu, vous allez pas tout. Là, regardez comme c'est magnifique. Ah, franchement, c'est tellement beau, c'est tellement classe. J'adore. Vous entendez, il y a une petite musique qui est jouée comme ça pendant toute la journée. Et franchement, c'est trop beau. Vous entendez la petite musique? Oh, yes. 3, 2, 1, go! Hey! Les amis, ici, c'est un de mes endroits préférés. Le deuxième, la salle de théâtre. C'est un truc de dingue, franchement de dingue. Allez, venez, regardez là. Teatro Lavandu Gratia. Attention, il y a beaucoup de bruit parce qu'ils sont pas en travaux. Donc vous allez voir, ça ne va pas nous déranger. Allons-y, c'est parti. Hey! Salut les amis, comme vous voyez, la salle de spectacle est dingue. Elle est tellement belle, elle est tellement magnifique. Et vous savez, c'est à peu près 1200 personnes. Et chaque soir, pendant la croisière, il y a un spectacle. Et ce n'est pas n'importe quel spectacle. Le spectacle est tellement, c'est tellement beau. Ils chantent tellement bien au niveau du son. C'est parfait. Les chorégraphies, oh là là, n'en parlons même pas. C'est fait par des danseurs professionnels. Les tenues, oh! Elles sont tellement belles, tellement bien faites. Et je crois que vendredi, on a eu un spectacle. Tout le monde était debout, standing ovation. Les gens étaient en pleurs parce que le final, c'était... Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que cette croisière, ils ne m'ont pas payé pour le faire, mais je crois que j'ai découvert une grande passion. C'est celle des croisières, hein. Et de deux, c'est que maintenant, je crois que une des mois, on est prêt à dépenser de l'argent pour aller voir un spectacle. Parce que croyez-moi, c'est vachement beau. Moi, je ne quitte plus d'ici. Moi, je reste là. Je ne bouge plus toute ma vie. Moi, je vais rester ici. Salut les amis, maintenant on va vous montrer un bar qu'on apprécie beaucoup, c'est beau, il y a beaucoup de danse, parce qu'on chante aussi quoi? C'est de la musique latino, et on adore ça, la musique latino, en plus il y a un orchestre, il y a une chanteuse, donc on sent vraiment l'ambiance latino ici, c'est ça qu'on adore. Vous allez voir que c'est vraiment beau, c'est magnifique, alors préparez-vous, attention, c'est parti pour la visite. Allez, on continue, on se revoit juste après.
Hey les amis, vous savez, le bateau il est tellement grand et jusqu'à présent on a fait beaucoup de kilomètres et nous sommes fatigués. Nous avons décidé de prendre une petite pause pour nous ressourcer. On a décidé de prendre un cocktail et un cappuccino parce qu'ils sont excellents sur le bateau. Ah, c'est vrai, et on a dit qu'il y en a tellement, il y a tellement de bars, il y a tellement de restaurants. Et on va vous présenter celui dans lequel on est, on va profiter. Vous allez voir que les cocktails en plus qu'ils font sont tellement délicieux. Allez, on se retrouve juste après. Tout de suite. Ciao. Et nous voici arrivés au centre de relaxation qui comprend la salle de sport et le spa. Allez, oui, dans cette croisière, les amis, il y a tout. On ne sait pas. Allez, allons-y pour visiter parce que c'est vraiment. On a hâte de vous montrer. Ah, c'est vraiment top. Attention. Donc là, on arrive dans la partie spa et relaxation. Voilà, c'est vraiment un endroit zen. Voilà, il y a l'ambiance, il y a les fontaines. C'est vraiment top. Ça nous invite vraiment à la relaxation. C'est juste magique. Et là, on va arriver dans une partie qui est encore un autre bar, qu'on appelle le Healthy Bar, parce qu'ils font des jus, des smoothies qui sont faits vraiment à base de légumes et de jus frais. Bonjour. Bonjour. Le moment, ce n'est pas permis. Vous pouvez parler avec les personnes. Ouais, pas les personnes. Ouais. On sait. Merci. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, c'est beau l'accueil. Et là déjà ça change parce que les gens sont gentils, c'est beau, c'est calme. Mais surtout regardez là, regardez. C'est. Et là nous allons aller visiter la balnéo. Regarde. Balnéo. Pendant que vous allez prendre ça, regardez la vue. C'est hallucinant. Amis, on essaie de faire une petite pause dans le jacuzzi. Je vous promets, il y en a. Déjà en termes de piscine, on vous montre ça tout à l'heure. En termes de piscine, il y en a trois ou quatre, je ne sais plus. Mais on va vous montrer ça tout à l'heure. Et il y a tellement de jacuzzi. On va dire que dans le bateau, il y a au moins 10 jacuzzi. Et comme on peut souvent essayer de faire une petite pause à l'intérieur, c'était mieux que de
franchement, pour moi, vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est vraiment un truc de dingue. Et comment as-tu vu le truc? J'adore, je profite vraiment de l'instant présent. Et je vous promets que c'est magnifique. Moi, dans ma vie, à part chez des amis où j'avais eu la chance de vous rencontrer, c'est Christina. Allez, Christina, on te fait plein de bisous. Franchement, je ne pouvais pas imaginer dans ma vie que j'allais pouvoir vivre des trucs comme ça, comme quoi il faut continuer à y croire et on va continuer notre visite. On se retrouve juste après. Et on vous laisse visiter, on vous laisse voir tout le reste de cet endroit. Vous allez voir que c'est tout simplement magnifique. Et les amis, la petite cerise sur le gâteau, là nous sommes à un endroit, c'est sur le pont, je pense que c'est l'arrière du pont, et il y a une vue de dingue sur... On a une vue imprenable sur Zen, derrière nous là, c'est juste magique, magnifique, on va vous montrer ça, c'est juste extraordinaire. Et le plus beau, c'est qu'en même temps que tu es en train de nager, en même temps que tu es dans le jacuzzi, bah, tu peux observer la vue, tu peux regarder... tout ce qui se passe autour, et ça je crois que ça vaut carrément tout l'or du monde, et franchement on vous invite vraiment à vivre cette expérience là, je vous promets que vous allez tellement aimer. Je crois que nous ce sont nos meilleures vacances, on ne pensait même pas pouvoir passer des vacances comme ça, c'est vraiment dingue. On vous laisse profiter de la vue et on se retrouve juste après. Hey les amis, nous arrivons à la soirée. Il faut savoir aussi qu'en croisière, il y a un truc qu'on a beaucoup apprécié, ce sont les soirées de gala. Et vous voyez tout le monde sur son 31 et pendant 7 jours, c'est comme ça. Donc si vous venez, il faut justement vous préparer à voir les tenues pour ce genre de soirée. Regardez comme Inde est vraiment toute belle et tout. J'ai vraiment beaucoup de chance. Allez, on va à la salle de spectacle et ça va être vraiment top. On se retrouve juste après. Gros bisous.